Comme vous avez pu le voir dans le live du 27 novembre sur Twitch, l'équipe a gagné 3-2 face à Fontenay-Saint-Père. C'était très très tendu avec notamment un but de Romain dans les dernières secondes de jeu. Je rappelle que Romain est quand même l'entraîneur adjoint. Il est rentré en dernier recours et ça a payé. J'ai l'impression qu'il fait froid là. Franchement ça va, mais par contre, j'ai vu que la semaine prochaine il faisait moins 5, ça a piqué, je regardais de la neige ici, il neige la semaine prochaine. À partir d'aujourd'hui maintenant, les 6, je ne veux plus que vous veniez jouer dans les lignes ici. Je veux plus que vous veniez jouer dans les lignes ici. Le 6 qui est tout seul quand on a la balle, le 6 il est tout seul, orienté face aux deux défenseurs. On arrête de venir se mettre ici dans la ligne de passe du 10, donc maintenant je veux que le 6 il soit tout seul là, le premier, devant défense, la balle elle est là. Emir Nero par exemple, ou Alex Nero, ici, IB, hop, la balle elle arrive là, Nero, IB, Alex, peu importe, le défenseur vient essayer de trouver une passe forte sur le 10 qui lui va rejouer avec le 6 en position, et l'autre 6 il vient se balader dans cette zone si on perd la balle. On arrête de me mettre le 6 ici dans la ligne de passe, on peut plus trouver le 10 qui est Mas, donc Mas ne redescendra plus bas, ok, ça je m'en charge. Par contre le 6 il arrête de se mettre là, quand on a la balle et qu'on fait tourner, un seul 6 devant. Juste pour essayer d'équilibrer. Comme ça, si eux s'écartent, il y a le 6 qui est là. Le reste, vous allez là-haut et proposer des solutions inter les lignes. Alex, il est où Alex? C'est bon, ouais. Vous avez capté ça? Les passes qu'on doit trouver, c'est des passes sur le 10. Après, si le 10 il descend trop bas, il est trop bas, c'est mon affaire après. Emir, t'as compris? Bah ouais. Sérieux ou quoi? Hein? Bah oui, j'ai compris. C'est Yves, il a pas compris. Ouais, tu l'écoutes lui? C'est Yves, il a pas compris. Déjà, lui, il est latéral, je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Ouais, d'abord. Donc après, il dit. Moi, on m'a dit de me mettre là, je me mets là. Menteur. On m'a dit de me mettre là, je me mets là. Le dimanche, je joue le dimanche. On me met des centrales. Voilà, donc je reste défenseur. Si là-bas, il était. J'ai changé de poste, j'ai pris la place à IB. Ah, c'est pour ça, il est jaloux. Ouais, il est jaloux. Je vais sauter, je vais sauter. Excellent, Nero, tu peux lui remettre en une. Ça arrive, oui. Oui, oui. Dommage, Abdé, dommage. Y'a de l'idée. Y'a de l'idée dans la transition. Oui. Oui, bien joué. Donne pas trop vers lui, Nat. Oui, bien joué. Encore. Oui, à Nathan, bien joué l'appel, t'as fui là-bas. Allez, dur. Bien joué, Nathan. Y'a Nero qui propose à l'intérieur, on fuit. Top, ça tourne. Ça chauffe, là. Ouais, ça chauffe, c'est cool, ça fait du bien. Il fait frais, donc il nous avait bien carburé. Donc là, on est en place, et puis on va attaquer les gens en groupe, hein. Et puis on va attaquer pour être prêt pour dimanche. Terrain compliqué, mais bon, ça va être cool. Ça se voit, ça te démange d'aller jouer. Regarde bien. Mais là, je suis descendu de l'avion, je suis venu direct, je m'en bats les couilles. C'est incroyable ça. J'ai trop envie de jouer au foot. Ouais, t'as besoin encore avec appui? Mais le président, il m'a dit non, pas aujourd'hui, parce que demain, on tourne une vidéo avec Chambourcy d'ailleurs, qui nous ont battus pour une ibette. Et du coup, il m'a dit, tu te préserves, demain, il faut taper quelques coups francs, quoi. Oh Romain, sacrifie-toi un peu! À l'image de notre dimanche, on fait un bon entraînement pendant une heure. Il y a un truc qui nous casse les couilles. Parce qu'il y en a un qui écoute pas ou l'autre qui écoute pas. Regardez la kermesse! Il y en a pas un qui réussit son contrôle. Il y a une équipe qui abandonne parce que j'ai perdu. On m'a fait un commentaire parce que j'ai raté mon appui. Et ma passe là-bas, on se vexe! On fait la gueule! C'est typiquement notre comportement de dimanche! Ah, je l'ai dit une fois à Taïr, je leur dirais pas penser à mettre du vote, les gars. C'est à un moment donné, je suis obligé de perdre de l'énergie à vous crier dessus si vous croyez que ça me fait plaisir. Ces dernières semaines, de devoir mettre des pastilles sur le groupe, de devoir vous dire, de vous tenir. Donc, s'il vous plaît, mettez-y du vôtre. Surtout dans des entraînements comme ça. En tout cas, c'était plus qualitatif.
c'était mieux. On a fait une bonne semaine d'entraînement. Rendez-vous pour les 14 dimanche, peut-être à 13h pour essayer de voir le match de la Coupe du Monde. Je suis en train d'essayer de décaler le match. Si c'est pas le cas, ça sera malheureusement 15h. Sur un terrain éclaté au sol, celui qui n'a pas de crampons à faire, dites-le moi tout de suite, sinon ça ne joue pas dimanche. On a travaillé cette semaine, on a fait une bonne semaine d'entraînement. On a essayé de mettre des choses en place qui malheureusement, donc vous avez eu le terrain comme moi, vont peut-être être plus difficiles à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, ça veut dire qu'il va peut-être falloir s'adapter à un moment donné. Il va y avoir un premier quart d'heure, 20 minutes où il va falloir qu'on s'adapte et qu'on mette en place des choses pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais il va falloir très facilement et très rapidement que vous, vous soyez capable à un moment donné de vous dire « Ok, bon les gars, là, il y a des choses qui ne sont pas possibles. » D'accord ? Déjà que dans notre idée, on ne veut pas relancer et repartir avec nos 6, donc là, encore moins sur des terrains comme ça. Prenez des risques, mais des risques mesurés. C'est-à-dire que si vous faites une passe à masse qui est un peu trop bas, je préfère que vous la refusiez, que lui, hop, il vienne se replacer et qu'il vienne reproposer ici ou alors carrément complètement à l'opposé. D'accord ? Mais attention à ne pas être trop bas parce qu'à la perte du ballon, voilà. Cham s'est dit, vous démerdez, mais quand on a la balle derrière, j'en veux un ensemble. Et encore plus aujourd'hui avec un terrain de merde. Parce qu'il va y avoir des ballons perdus. Maintenant, c'est le deuxième aspect qui va être le plus important. Je crois que je suis légitime si je vous parle d'attitude aujourd'hui. Et c'est cette attitude qu'on doit retrouver. C'est bien comme test quand même. Ça fait un mois, on est très borderline. On joue sur un terrain éclaté où on ne va pas pouvoir jouer notre foot. Et maintenant, on va avoir besoin de vous pour l'attitude. Et ouais, ça fait un mois et demi, deux mois, trois mois qu'on en parle. On doit venir aider Mas, on doit venir aider Dylan, on doit venir aider nos défenseurs, nos attaquants, on resserre. On vient protéger notre cœur du jeu et on vient protéger notre gardien ici, là. D'accord ? Arrêtez de le laisser seul. Arrêtez, la semaine dernière, il y a deux semaines, il y a une frappe qui arrive, il fait un double arrêt, il est tout seul. C'est pas normal. On est omnibulé par le ballon. Et on joue pas avec cette attitude de vouloir se défendre et s'entraider. Donc aujourd'hui, c'est ça que je veux. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre à dire. On va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin. Je vais pas mettre les crampons à votre place, personne va le faire. Vous mettez, vous y allez, on fait le meilleur résultat qu'on peut faire, mais avec attitude, s'il vous plaît. Salut les gars, c'est Vinsky. Aujourd'hui nous sommes à Vaux-sur-Seine parce qu'on affronte cette équipe là, Vaux-sur-Seine du coup, ES Vauxoise pour être plus précis. On les a affrontés une fois dans notre histoire, on a gagné 2-1 mais c'était une super équipe, je m'en souviens. On perdait 1-0 à la mi-temps, on a gagné 2-1 grâce à un but de Mastias. Mastias qui avait fait un triple. Rappelle le triple que t'avais fait dans Vaux-sur-Seine. Il avait passé 4-5 mecs. Après c'était... j'avais un peu contact et c'est vrai que c'était un match difficile. Hein. Très bon match difficile. Très bonne équipe. Il y avait des très bons joueurs, des jeunes joueurs. Et surtout ils connaissent bien le club, ils suivent, donc je pense qu'ils ont de la motivation encore plus. On nous a toujours dit que si ça jouait bien, etc., qu'il y avait de très bons joueurs. Et voilà, je pense qu'eux, du coup, ils connaissent un peu aussi leur terrain domicile. Donc ça va jouer. Romain a eu raison d'appuyer sur le fait qu'il fallait avoir une attitude aujourd'hui, très important. C'est marrant parce qu'en plus, je voulais faire un point par rapport à ça, mais il a dit tout ce que je voulais dire en fait. Donc du coup, je me suis un petit peu tu. Mais c'est exactement tout ce que je voulais dire, c'est l'attitude. Parce que c'est ce que je veux voir aujourd'hui. Qu'on perde, qu'on gagne, je m'en bats les reins. Enfin, je m'en bats les reins, non, je veux gagner bien sûr. Mais surtout, je veux voir des mecs qui ont envie de gagner et de mettre l'implication dans tout ce qu'ils font. Passe, contrôle, frappe, tout ce que tu veux, donner le maximum. On est très très bien, on est concentré, on est dans le match. Je pense qu'on va faire un bon match, on est plutôt motivé. Les gars sont concentrés, donc c'est plutôt cool. Je pense qu'on, malgré le terrain qui est pas facile pour les deux équipes, je pense qu'on peut faire quelque chose ici. Donc ça a servi ce qu'a dit Romain là tout à l'heure dans les vestiaires. Ça a servi et puis c'est le discours qu'on tient depuis le début d'année, c'est en lien avec l'attitude, la concentration, l'esprit d'équipe, être ensemble, c'est le principal. Bon Chris là, absent depuis plusieurs matchs quand même. Ouais, deux matchs. Le premier match, je ne pouvais pas être là. Ouais. Le second match, j'étais blessé. Je me suis blessé à l'entraînement. Okay. Du coup, j'ai préféré aller doucement. Même Max, il m'a dit que ça ne sert à rien de prendre de risques, etc. On ne joue pas la Coupe du Monde. Donc là, je me sens un peu mieux. Donc j'espère que je vais faire un bon match et que tout le monde va faire un bon match. T'es content de revenir ? Ouais, hein, ça m'avait manqué. Deux semaines, quand tu as l'habitude de jouer tous les week-ends, ça fait long. Hein. Ça fait long, donc...
J'appréhende pas, là je suis bien, je me sens bien, l'équipe s'est grave bien échauffée donc... Ouais, vous avez l'air concentré donc ça fait plaisir. Faut que je tire pour m'entraîner à marquer sinon je vais pas marquer. Romain ouais. Vous a tout dit, y a rien à rajouter. Vous savez très bien ce que vous allez faire aujourd'hui. Ok ? Yes. Ça marche messieurs ? Yes. Allez les gars, on est important aujourd'hui. Les mecs, aujourd'hui faut avoir l'attitude. Eh, je suis désolé, mais vous m'en devez une. Vous m'en devez une. D'accord. Il a raison. Donc c'est aujourd'hui hein. Et pas qu'à toi t'es fait une. D'accord, donc aujourd'hui on y va, ils ont la dalle, ils me regardent noir, ils rigolent pas. On a la dalle aussi hein. 1, 2, 3, allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Et c'est parti pour le match. On y va. Ce match faut que ce soit contre SKFC. Bleu contre vert, on est bleu. Ils sont deuxième, on est quatrième, cinquième. Merci. C'est parti, Dylan. J'ai peut-être la voix cassée, mais je suis. Est-ce qu'on va réussir à jouer? En tout cas, je sais qu'en face, c'est une très belle équipe, c'est ce qu'on nous a dit, de très bons joueurs de foot. Donc là, en tout cas, ça va pas trop changer au niveau de la Coupe du Monde. Parce que ça va pas descendre. C'est niveau Qatar. Bien joué, sans les mains. Super, Herman. C'était très beau gosse qu'il a fait. Ouais. Bon, là, allez, on voit. Grosse erreur, on s'aime. Il est pas en jeu, il est pas en jeu. Il est pas en jeu. Il aura pas. Ah, il aura. Non, le gardien a décidé. Ça se joue en arrière sur Herman. Il dégage. Ah, là, c'est une prédit pour la part mi-temps pour le match complet. Il a le petit de lancer. Il se barre, il s'arrache bien. Il rentre intérieur. Non, voyons. Non. Allez, tout le monde ensemble. Pas du tout. C'est pour nous. Bleu, bleu, bleu. On serre, les bleus, on serre. J'aime bien votre publicité en tout cas. Herman, il a Herman qui sort, qui se trouve. Bien joué, Maxime qui saute, Herman qui fait tout. C'est le match, il gagne contre numéro 9, Paul. Ça va arriver. C'est beau ça. Ça, c'est district, voilà. Ah, c'est mon district. Là, c'est le danger. Ouais, là, c'est bien joué, Chambel. Bien joué, bien joué. Fermez, les gars. Viagement de Maxime. Venez, les gars. Waouh. Bien joué les gars, super. Allez team, allez les verts, allez. Duel. Je vois. Tu dis. Mais là, mais là. 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 Ouais, ils sont passés, il y a un centre. 8-300 Il a pu se retourner tranquillement, attention. Bien joué, Elvis. Il a pris Elvis, il met un extérieur du coup. Il y a un coup à jouer. James. Et vous allez les mettre sur la boutique. Ouais. Effectivement, ça c'est pas possible. Donc, s'il y en a qui veulent le mieux pour Noël. Allez, 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 bien joué les pas en jeu. Bien joué. Fisk qui rentre intérieur, la frappe. Pas le bras, ça tout de suite. Allez, bleu, on crée. Allez, on peut vous parler en fait.
On tente la retourner. Herman qui pensait avoir capté le ballon, mais malheureusement pour lui. Herman qui a lâché le ballon. Capacité de réaction maintenant. Capacité de réaction. 1-0 pour Vauxhoise à la 27ème. Allez, on va voir si on va avoir une réaction. Ouais, on est à la 27ème minute, comme tu l'as dit. C'est dommage. C'est dommage, hein, parce que franchement, c'est équilibré entre les deux équipes. Là, il y a un jeu. Si, 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 il y a un jeu. Après, les gars, avec ce terrain-là, on va faire un match. Passe spéciale, elle est derrière. Bien joué Nico. Heureusement qu'on est fair play, hein. Allez, jouez. Il n'est pas validé. Je ne sais absolument pas qui est hors-jeu. Ah oui, je pense. Plus vite. Par contre, moi j'aurais accordé une main. Moi j'aurais accordé une main parce que... Il en fait des ailes de pigeon. Magnifique. Je peux le revoir. Ah ouais? Ah très bien. Excuse-toi, Shams. Ah bah mi-temps. Il n'y a pas besoin. Leur jeu, on l'oublie. Je sais que c'est frustrant et ça me frustre, mais si on reste là-dessus, on va être motivé pour les mauvaises raisons. D'accord? On est motivé pour les mauvaises raisons. Là, à la fin du match, on s'emballe, on discute avec l'autre. Vous vous laissez pas faire sur le terrain, vous l'avez déjà suffisamment montré, ça y est. D'accord? Moi, il y a un truc que je comprends pas, par contre. C'est pourquoi nous, on s'obstine à encore garder un peu trop notre ballon au milieu. Chum, je te l'ai dit là. Et l'action d'après, tu prends encore une touche de trop. Mais là, et en plus tu reviens du côté fermé. Nathan, 3-4 fois, ça y est, j'ai vu, t'essayes de la mettre à Chris à l'opposé. Jouez plus vite vers l'avant, on va vite, ça va passer. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on aille plus vite dans nos prises de décision. Et qu'on... Ouais, là sur les lectures de trajectoire, derrière là, Nero, il a tout eu. Il a tout ramassé, et c'est de l'appréciation les gars.
C'est de l'appréciation. Massias, il se prend la tête avec le 6. À l'expérience, moi sur un terrain, je peux pas, on l'a jamais fait, mais quand j'étais plus jeune, je me prenais la tête avec les gens, mais je me reconnectais tout de suite dans mon match. Mais il y en a, ils savent pas le faire, ne le faites pas. Emir, Elvis, vous êtes jeune. Emir, vous êtes jeune. Elvis, restez dans votre match. Par l'attitude, répondez. Ok? C'est bien ce que vous faites, c'est bien les gars, c'est bien. Accrochez-vous, c'est bien les mecs. Vas-y, 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 vas
font quoi les mecs là? Redescendez deux secondes, laissez-moi juste un tout petit peu de silence. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est un point important. C'est le match, c'est comme ça. C'est un match sur un terrain difficile. On vient chercher des points. Il y a plus d'une équipe qui va se casser la gueule ici. Il y en a plus d'une. Nous, on est venu chercher un point avec caractère dans un moment où qu'est-ce que je vous ai dit il y a une heure et demie. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et aujourd'hui, on a été capable de répondre présent. Je l'ai dit à tout le monde. Avant le match, je vous ai tous regardé. J'ai dit, je sens quelque chose de différent. Camille qui vient nous voir tout le temps, il me l'a dit, Mathias, Vincent m'a regardé, m'a dit, Romain, là c'est différent. Donc merci, bien joué pour l'attitude, bien joué pour l'attitude. Bien joué, un point, c'est important, on n'a pas baissé les bras, on s'est accroché, on s'est battu ensemble, c'est bien. On aurait aimé trois points, mais le football ça se passe pas toujours comme on veut. Vous avez une bonne attitude, c'est bien, vous n'avez pas abandonné Herman, vous n'avez pas abandonné vos copains, c'est bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour les trois points, bien joué les gars, bien joué, bien joué, bien joué.